Il est temps maintenant de faire le point sur l'enquête déclenchée par les révélations sur la destination finale des déchets de Seveso. Avec Huguette Bouchardeau, nouveau secrétaire d'État à l'environnement, affirme qu'il ne se trouve plus en France. Il n'empêche que les enquêteurs de la police judiciaire ont travaillé aujourd'hui sur la piste de Saint-Quentin, qu'Hervé Brugini explorait avant-hier dans ce journal. Et le gérant de la société marseillaise qui a transporté ces jus a été entendu ce matin par les policiers à Saint-Quentin. Il vient d'être inculpé de non-déclaration concernant les caractéristiques et la destination de sa cargaison importée de l'étranger. Et il a été écroué à la prison de Saint-Quentin. Le point de toute cette affaire depuis son début. En septembre 82, la société Hoffmann-Laroche, responsable de la catastrophe, s'engage à débarrasser le sol italien des déchets toxiques à la condition de n'avoir jamais à révéler le lieu de destination finale. Mais une journaliste a suivi le trajet du camion. Ce qui est certain, c'est que les déchets de Seveso ont franchi la frontière française à Vintimille le 10 septembre 1982. Puis, ils se sont dirigés vers Marseille, vers Paris et ont abouti à Saint-Quentin où ils ont été dédouanés. C'est dans les entrepôts de la Naftank, loués par M. Paringo, chargé de son voyage, que les fûts ont transité à Saint-Quentin. Lorsqu'une équipe d'Antenne 2 s'est rendue sur les lieux lundi après-midi, la dioxine n'y était plus. Les fûts que vous voyez ici contenaient du pyralène, autre produit toxique. Peu après notre passage, les employés de l'entreprise déclenchaient un mouvement de grève et après perquisition, l'entrepôt était fermé. M. Paringo, convoqué à Saint-Quentin, vient d'être inculpé et écroué. Mais il n'y a pas que Saint-Quentin, il y a d'autres pistes possibles, d'autres décharges où auraient pu être entreposés les fûts. À Roumazières, en Charente, M. Paringo exploite une autre décharge. Et les habitants, depuis quelques jours, se sont émus d'aller et venus de camions en pleine nuit et ils ont cru que les fûts étaient là. La gendarmerie a enquêté, sans résultat, et le maire s'est expliqué. Je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas un chat à fouetter dans cette affaire. Que les déchets introduits légalement ou illégalement en France ne sont jamais venus à Roumazières-Loubert. Depuis cinq jours, les enquêtes jusque-là discrètes du ministère se sont accélérées et depuis hier, on y a acquis la conviction que les fûts ont quitté la France. Nous ne fournissons aucune preuve que la dioxine a quitté le territoire français parce que nous n'avons pas cette preuve-là. Nous avons comme élément de preuve aujourd'hui ce document provenant d'une société d'un pays européen et qui a été mis en relation sur cette question de déchets avec la société de Saint-Quentin. C'est le seul élément de preuve que nous ayons. Mais c'est un élément très sérieux, très solide. Si je me suis permis d'intervenir par la voie la plus élevée auprès du ministre chargé de l'environnement de ce pays, c'est tout de même parce que j'avais des raisons sérieuses de relancer l'enquête dans ce pays. Quel pays? C'est là toute la question. Bien sûr, Huguette Bouchardeau ne peut pas nous le dire sans l'accord du pays concerné. Il pourrait s'agir de l'Allemagne avec un point d'interrogation. En attendant, où sont passés les déchets?